suis à Montréal, je suis le président du conseil des élèves de l'école du Berville. Je suis un étudiant en secondaire 5 en chimie physique et en maths enrichie. C'est pas mal ça. Moi, c'est Emmanuel Lourdes. Comme je l'ai dit, je suis la présidente du comité du bal militaire et de la réunion des diplômes. Je suis en concentration par patinage artistique depuis 4 ans. Comme un autre, je suis en chimie physique et en maths enrichie. Ben, j'espère que vous allez bien. On est vraiment contents d'être avec vous aujourd'hui pour vous faire vivre une journée d'activité vraiment fun à notre école. On commence tout de suite en vous disant que le secondaire, c'est seulement la continuité des apprentissages du primaire. Mais vu que vous allez être plus vieux, vous allez pouvoir vous affirmer et avoir l'opportunité de faire la différence dans votre milieu et vous impliquer comme nous on le fait pour prendre des décisions concernant votre nouveau milieu de vie, que sera l'école du Berville. On va donner quelques exemples qui se passent ici et qui pourraient peut-être vous intéresser. Premièrement, il y a le comité du bac des finissants et de la remise des diplômes qui permet au secondaire 5, donc c'est dans un peu longtemps, de décider de A à Z comment le fameux bac des finissants va se passer. Le conseil des élèves, ça permet à tous les élèves intéressés de se rencontrer un midi par semaine pour élaborer les activités. C'est aussi ce comité-là qui représente l'ensemble des élèves pour rencontrer Sylvie, notre directrice, ou pour prendre des décisions concernant notre école. Ça, c'est les deux comités les plus importants et c'est eux qui sont ici aujourd'hui pour vous accueillir. On les a oubliés. Vous allez vous inviter dans le comité technique. Dans les voyages, cette année seulement, l'école est allée en Allemagne, Autriche, au Costa Rica, à New York. Et à partir de l'année prochaine, les élèves de 4e et 5e secondaire iront en Grèce, au Pérou et en Roumanie. C'est la plus grande théâtre international et excentrique qui permet aux passionnés de théâtre d'aller montrer leur talent un peu partout dans le monde. C'est l'improvisation. Le journal étudiant apostrophe du Berville. La caisse étudiante et tout ce qui pourrait vous intéresser dans le fond. L'implication, c'est vraiment ce qui fait la différence dans votre passage au secondaire, parce que ça permet de transformer une école qui est normalement une école pour apprendre en terrain de jeu pour vos mille et un projets en milieu de vie. Ensuite, si vous voulez avoir des exemples de ce qui se passe ici, on vous invite à aller aimer la page Facebook de l'école. Ça vaut vraiment la peine, c'est là que ça passe toutes les informations et toutes les photos qui vont être prises durant l'année. Si vous n'avez pas de Facebook, demandez à vos parents d'aller regarder pour vous. Comme Emmanuel disait tout à l'heure, on a également plein d'équipes sportives et concentrations. Bien sûr! Nous avons du basketball, du volleyball, du badminton, du cross-country, du hockey, de l'athlétisme et du patinage artistique. En plus de tout ça, on est vraiment une école où les arts et la culture sont vraiment importants. Il y a trop de secondaires en spectacle qui nous et qui va vous permettre de démontrer votre talent dans n'importe quelle discipline culturelle sur la grande scène du théâtre du cuivre. Aussi, on aime vraiment ça faire des projets artistiques pour meubler les murs intérieurs et extérieurs de l'école. En vous promenant tout à l'heure, vous pourrez regarder les murales, les sculptures, les photos et les amorces tout au long de l'école. Je pense que ça fait pas mal de tour de ce qu'on fait ici. Oui, à vous. Mais la journée ne fait que commencer pour vous. Aujourd'hui, on va faire découvrir notre école par le biais de 6 activités dans les places les plus cool de l'école. Êtes-vous prêts à vivre la grande séduction de l'école du Berville?